Aujourd'hui, on propose des stratégies assez particulières en fait, aux annonceurs avec qui on travaille, avec une approche tout à fait spécifique et une approche de tiers mesureur et de vérification de pertinence d'une campagne publicitaire. Donc un annonceur, par exemple, dans le food, a un certain media planning qui peut être un media planning sur le mobile et ou sur affichage, parce qu'on traite aussi le Drive to Store sur affichage. Et on détermine en quasi temps réel l'impact que cela peut avoir, cette campagne peut avoir dans un magasin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je diffuse une campagne publicitaire et je souhaite après avoir l'équivalent du taux de clic dans un univers web, c'est-à-dire la compréhension du nombre de visiteurs qui s'est véritablement rendu dans mon magasin. Alors on arrive à déterminer la pertinence des médias qui ont été choisis. Pertinence dans le sens à véritablement générer de l'incrémental, puisqu'il y a cette notion de trafic naturel qui est inhérente au magasin. Donc il n'est pas question d'avoir uniquement de l'information sur un trafic global, mais aussi sur de l'incrémental. Donc une population qui a vu la publicité, que ce soit sur un média affichage ou sur un média mobile, et qui ensuite s'est rendue en magasin, alors même qu'il y aurait de fortes chances qu'elle n'y soit pas allée si elle n'avait pas vu la pub.